Et salut à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le troisième épisode de Road to le Gain. Aujourd'hui les gars, on commence directement avec cette équipe. Et j'ai quelques petits trucs à vous dire avant de commencer les matchs. Aujourd'hui les gars, on va instaurer une nouvelle règle, ça s'appelle la règle des défis. La règle des défis, c'est que chaque joueur de Ligue 1 qui sont dans les défis peuvent arriver dans mon équipe. Donc, par exemple, dans Œuf Vert, on a Aït Nouri. Il peut très bien venir dans mon équipe. D'ailleurs, il va rejoindre mon équipe. Et on a aussi Savanier. Bon, ça m'étonnerait qu'on arrive jusqu'à là, mais pourquoi pas. Et je ne sais pas s'il est free to play ou pas, mais en tout cas, s'il est free to play, pourquoi pas y arriver. Et sinon, les gars, aujourd'hui, on est là pour récupérer Aït Nouri, pour le mettre dans notre équipe. Déjà, on va prendre notre point choix. Et là, les gars, on veut récupérer Aït Nouri pour le mettre dans notre équipe. Ce serait incroyable. Alors, entre les trois, c'est pas celui qui coûte le plus cher. Celui qui coûte le plus cher, c'est Ogbetche. Mais on va prendre Aït Nouri parce que c'est un joueur de Ligue 1 et qu'on en a besoin. Ensuite, les gars, après ça, j'aurai une deuxième chose à vous dire. Donc voilà, Aït Nouri qui rentre dans notre équipe. On va pouvoir. Ah oui, attends, on a peut-être mis l'équipe à jour, mais c'était peut-être pas le bon truc, ouais. Ok, bon, merci, j'ai débloqué le collectif. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Oui. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Ok. Et ok. Allez, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi ils veulent l'entraîner? Ah oui, c'est vrai que maintenant, du coup, oui, on a les nouveaux rangs. Il y a les nouveaux rangs maintenant. C'est un autre truc pour améliorer les joueurs. C'est pas mal. Alors, déjà, on va réchanger nos joueurs. Ah, oh, punaise, mais déjà, du coup, ils ont mis mon buteur où? Là, Kasper Dolberg. On va échanger. On va remettre Kenny Tété. On va remettre Kenny Tété. On va réchanger mon ailier gauche qui est Camano. Voilà. Donc, voilà, les gars. On a tous nos joueurs. Donc, c'est bon. Aujourd'hui, les gars, j'ai un autre truc à vous dire. Donc, maintenant, avant, on était à 5000. 5 000 par but, pardon. 5 000 crédits par but, pardon. Et là, maintenant, on va passer à 7 500 crédits par but. Voilà. 7 500 crédits par but. Et bah, c'est parti, du coup. On est directement parti pour le premier match de cette vidéo. Après qu'il y ait une petite minute d'intro. Enfin, je sais pas comment il y a eu 2 minutes d'intro, mais en tout cas, on est parti directement pour ce premier match contre un 67 de général. Du coup, nous, on augmente petit à petit parce qu'on a Aït Nouri qui rentre dans notre équipe. Et voilà. Donc, on a 10 de général de plus. Il a même de la contre-attaque. D'accord. Et bah, c'est parti. On est parti pour jouer contre les 67 de général. J'espère qu'on va gagner. J'espère qu'on va gagner. Si on peut mettre une dizaine de buts, ce serait bien. Une dizaine de buts, ce serait bien. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça commence déjà bien. Ça commence déjà très bien. Je sais pas ce qu'il me fait. Camano. Et bien sûr, on est toujours à 3 000 par but pris. Comme ça, on avance un peu plus vite. Ok, Clément Grenier. Qui va la donner à Kasper Dolberg. Qui va la rendre à Clément Grenier. Et ça fait un corner. Déjà, on est très mal parti. On a mis un but en 30 secondes. Ça va pas le faire. Serge Fabregas. Oh là là, mais c'est quoi cette passe? Et Rafinha. Allez, Rafinha, 2-1. Ok, bon, déjà, on est dans la merde. Pour ce premier match. Ok, 3-2. Oh là là, mais pourquoi il marque autant de buts? C'est pas possible. Ok, 4-2. Faut vraiment qu'on marque une dizaine de buts, ce serait bien. Ok, 5-3. Oh là là, il marque bien plus de buts là. Alors, je disais n'importe quoi tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire un autre truc, oui. C'est pas à 3 000 crédits qu'on prend par but, du coup c'est 2 000 crédits. On a baissé. On baisse parce que comme ça on arrive plus vite à l'équipe qu'on veut. 8-3, oh poteau. Allez, 9-3, 9-4. On n'avait plus qu'à 2 000 parce que. Ok, ça va être la dernière action. Du coup, voilà. 10-4. Ok les gars, 10-4 c'est pas mal. 10-4 c'est pas mal. Du coup, on va être à. Oh, 10-5. Oh non, il a mis un 5e but. Du coup, on va être à 10 fois.
Non, aussi 10 fois. 7500 moins 5. Donc 5 fois 2000. Ça fait 65 000 crédits pour ce premier match. On est à 65 000 crédits. Donc c'est pas mal. Maintenant, on va continuer. On va enchaîner sur le deuxième match directement. Allez, c'est parti les gars. On enchaîne directement sur le deuxième match. En espérant directement marquer beaucoup de buts. Et qu'on puisse encore plus progresser dans l'équipe. Parce que là, on a gagné que 63 000 crédits. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. On va pas se plaindre. Mais voilà, nous on veut bien plus augmenter. Allez, on joue contre un 71 de général. 71 de général. Ouais, 40, 30, ok. Bon, on va voir si on arrive à gagner pas trop mal. Si on arrive à pas trop mal gagner. Ce serait pas mal. Allez, c'est parti. Les gars. Et je pense aujourd'hui, on va essayer de... Kamano. Allez, Kamano, 1-0, c'est bien, c'est parti. C'est bien parti. Donna à Casper. Dolberg, c'est parti, 2-0. Allez, là on est mieux parti que l'autre match. Dolberg qui va la donner à Kamano. Et Kamano. Kamano, sérieusement. Ok, 3-0. 3-0. Allez, Rafinha. Passe-nous. Ah, oh, une belle frappe. C'était nul. Rafinha, il est hors jeu, le con. Rafinha, oh, allez. 3-1, il a marqué. Ça fait 4-1. Allez, 4-1. Allez, c'est parti, Casper Dolberg. 4-2. 5-2. J'ai l'impression qu'il n'y a que des grosses actions. C'est quoi? 5-3, 6-3, 7-3. Allez, 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 on est parti là. 8-3. Allez, oh non, il va marquer un quatrième but, je pense. Casper Dolberg. Oh non, oh, ça m'énerve ça, vraiment. C'est vraiment nul les corners. Hein. À part si je marque, voilà. 9-4, donc c'est pas si nul que ça au final. Casper Dolberg. Oh, la belle frappe, 10-4. Je pense qu'on peut en mettre deux encore. Je pense qu'on peut en mettre deux. Allez, 11-4. 2 ou 3. Ok, ce sera 2. Peut-être 3. On n'a aucun, on a une dernière action. Allez, un dernier but, s'il te plaît. Dolberg, allez, 13-4. 13-4, les gars, donc c'est une très grosse victoire. Donc 13 fois 7, 7500. Ok, moins 4 fois 2000. Du coup, on est à 89 500 crédits en plus. Donc, on augmente pas mal. On augmente pas mal. Et c'est parti du coup pour le troisième match. C'est parti pour le troisième match. En espérant marquer encore plus de buts. Ce serait bien qu'on chope pas mal de crédits pour bien augmenter cette équipe-là. Là, faut bien qu'on augmente l'équipe. Et c'est parti, hein. C'est parti. On est parti directement. Pour le troisième match, troisième et dernier match de cet épisode, de ce troisième épisode sur Road to Ligue 1. Et là, on joue contre une équipe vraiment forte. Ah là, ça peut être problématique. Ça peut être très problématique parce que du coup, il a. Ok, bon, on verra. On verra si on arrive déjà à gagner, si on perd pas. Parce qu'on est capable de perdre. Ok, 1-0. C'est parti. C'est parti, Rafinha. Ok, 2-0. 2-0. Oh non, ça va taper la barre. Oh, c'est bien trop. Ok, Kamano, Kamano. Ok, 3-0. On est peut-être bien parti là. On est bien parti. À l'opposé, il est tout seul. Kamano, allez, 4-0. 4-0, là, il est dans la merde. Il est dans la merde. Casper Dolberg, 5-0. 5-1. Oh non, j'ai fait de la merde là. Oh, je suis désolé, j'ai fait de la merde. Je suis dégoûté. Allez, 5-1. 6-1 peut-être. Allez, 6-1, c'est parti. Et 7e peut-être but. Oh non. Il avait. Oh, il a. Par contre, il perd des bons ballons. Ça me fait plaisir. Allez, 7. Oh, j'ai cru qu'il était dans. 7-2. Faire attention. Ok. 7. Ouais, non. 7-2. Il y avait 6-2, 7-2. 8-2. Allez, on est bien là, on est bien, on est bien. Allez, 9-2. On peut encore marquer au moins deux buts. 9-2. 10-2, 10-3. Et centre. 10-4, oh non! Oh punaise, 10-4. Et
11-4, 11-5. On sac les gars, donc 11 fois 7500 moins du coup 5 fois 2000. Du coup, ce qui nous fait un total de 72 500 pour ce troisième match. Et on est vraiment pas mal, les gars. On est vraiment pas mal au niveau de tous les matchs. On a fait un bon épisode aujourd'hui. Du coup, ce qui nous fait 65 000 crédits plus 89 500 plus 72 500, ce qui nous fait un total de 227 000 crédits pour cet épisode. Ça va être très important. Là, ces crédits vont être très importants. Donc, je vous propose un truc. Soit on va chercher un joueur à 80 général ou plus. On peut même en chercher deux, je pense. Deux à 100 000 crédits. Non, ouais. Ok, si, je pense qu'on peut choper deux joueurs à 80 ou plus. Du coup, j'ai envie d'aller chercher peut-être un attaquant gauche à 80 ou plus en Ligue 1. Je sais pas s'il y en a. Je sais pas s'il y en a. On peut aussi améliorer nos joueurs sinon. Mais bon. Attaquant gauche en championnat, en Ligue 1, on a quoi? On a quoi? On a Nguété. Nguété, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut juste voir son prix. À 125 000 crédits, peut-être. On peut peut-être trouver quelqu'un, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Ça va être ça le problème de la Ligue 1, c'est qu'à 125 000 crédits, on trouve personne. Donc, c'est soit on chope qu'un seul joueur. 160 000 crédits, peut-être. Ok, on a TJ Savanier. On a sinon Cornet directement en attaquant droit. Et on peut peut-être choper à 85 ou plus. 85, allez, Nolan Roux. 134 000 euros, c'est pas beaucoup. Et ben, je pense que, les gars, allez, allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On prend Cornet. On chope 159 000 crédits. 0,80. Il nous reste 65 000 crédits pour choper un joueur. Pour step up, on va dire. Cette équipe, on va échanger Rafinha. Qu'on venait de changer du coup. Mais on va le rechanger encore une fois. Et c'est parti. Du coup, voilà, on a enfin une équipe un peu plus costaud, on va dire. Avec un autre joueur à 80 dans l'équipe. Et on peut peut-être choper du coup. Du coup, on peut changer du coup, pardon. Alors, on va. 80. Non, allez. 78 de général en poste défenseur central en Ligue 1 pour, du coup, il nous reste 67 000 crédits. 67 920 crédits exactement. Attendez, parce que je crois qu'en plus, il nous reste. Il nous reste 24 000 crédits de la dernière vidéo, non? Non, 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 je dis des bêtises, je dis des bêtises. Il doit nous rester, je sais pas. Bon, je sais plus, c'est pas si grave que ça. Vous voyez qu'on trouve rien à 77 peut-être. On a Naldo, on a Thilo Kehrer. Ok, on a des bons joueurs. On va peut-être choper un joueur comme Thilo. Ce sera meilleur que Djiku. Même Naldo. Non, allez, Thilo Kehrer, je pense qu'on va partir. Ou Camille Glick, qui est puissant. Dinayer, sinon on l'a déjà, je crois. Non, on l'a pas. Excusez, on l'a pas, Dinayer. Mais Dinayer, non. Ou Palois. Ou Palois. Allez. Moi, je suis chaud pour prendre Palois. Et je pense qu'on va prendre Palois. On va prendre Palois. On va aller voir combien il coûte. Le petit Palois. Le petit Palois, on va voir combien il coûte. Et je pense qu'on peut le choper en dessous des 60 000 crédits. On peut le choper. Non, ok. On ne pourra pas le choper en dessous des 60 000 crédits. Alors 65 000. Ok, 62, 61 000 déjà. On va essayer. J'ai marqué 61. Oh là là, mais. Excusez-moi, là, je fais de la merde. Ok, 61 000 crédits. Ok, on ne le trouve pas. Et 61 200. Moi, je veux vraiment le minimum. Ah oui, d'accord, on ne le trouve pas non plus. D'accord. 61 000. Bon, 62 000. Directement, ok, on en trouve pas mal. 240, allez, voilà. Du coup, on chope Palois à 61, moins 61 240. Et du coup, voilà, on est pile dans le budget, on est bien dans le budget. Et du coup, on va pouvoir l'échanger, notre petit Jiku.
qu'on va échanger directement. Et je pense que dans le prochain épisode, on ira chercher un attaquant gauche et un milieu central si possible. En défenseur droit, on verra qui c'est qu'on chope. Mais du coup, les gars, là, on est pas mal. Pas mal dans l'équipe. On a une belle équipe. Du coup, je vous laisse sur cette équipe pour finir la vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. C'était Pasga. On se retrouve du coup la semaine prochaine, ou enfin, ou dans quelques jours, je sais pas, pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode, pardon. Ciao tout le monde, c'était Pasga. Ciao.